salut à tous et à toutes et bienvenue pour ce 9e et dernier épisode de The Cleaver saison 1. Lors du dernier débrief, c'est Gabriel et Mathieu qui sont partis aux portes de la finale. Les votes sont encore ouverts, c'est le 1 pour Noran, le 2 pour Sienna, ou le 3 pour Willy. Vous votez pour la personne devant gagner cette saison 1 de The Cleaver et pour voter cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Les cagnottes sont donc officielles, voici les cagnottes des finalistes. C'est donc la dernière semaine dans la maison de The Cleaver, les anciens candidats vont revenir dans la maison et les finalistes diront pourquoi ils doivent gagner. Je vous laisse regarder ce tout dernier épisode. Je suis trop content de savoir qu'on est tous les trois en finale. Déjà que le fait d'arriver tous les trois en demi-finale était un exploit, je suis trop content. Bon bah du coup la maison nous appartient. T'as vu ça? On est entre nous désormais, j'adore cette ambiance. Franchement bravo à nous, on a tout dégommé, on y est arrivé, à aller en finale tous les trois. C'est clair, le but de base c'était qu'un d'eux nous y arrivait finalement, on y est arrivé tous les trois. C'est juste génial. Ici The Cleaver. Noran, Sienna, Willy, The Cleaver vous félicite une fois de plus de votre place en finale. Vous avez su prouver que c'était vous les meilleurs, et cela en allant jusqu'au bout du jeu. Cette semaine The Cleaver a décidé de faire revenir les anciens, pour ainsi revivre cette fin d'aventure comme au début. Rendez-vous devant le sas, ils sont prêts à rentrer. On est de retour. Salut la compagnie. Bien ou bien? Bah écoute, c'est super, on est en finale. En tout cas, bravo à vous pour votre place en finale. Et dire que j'ai fait une mission avec toi Noran, mort de rire. Je suis de retour, au bon moment pour foutre le maximum d'ambiance. Elle est jaloux, la Queen de The Cleaver est de nouveau là. Comme ça, on ne peut plus se passer de moi? Ici The Cleaver. The Cleaver est ravi de vous revoir tous dans sa maison, The Cleaver est même ému. Mais parmi vous tous, seulement trois sont arrivés en finale. Noran, Sienna, Willy, veuillez vous présenter chacun à votre tour devant la barre et faire un discours. Ici Noran. Que dire de cette merveilleuse aventure? The Cleaver était un challenge que je ne pensais pas relever jusqu'à la fin, mais quand même relevé, j'ai pas froid aux yeux moi. Lol, j'ai fait de superbes rencontres, je me suis découverte une âme de grande joueuse. Aujourd'hui je suis très heureuse d'être en finale avec mes acolytes de l'aventure, c'était inespéré et la concurrence était rude. J'ai trouvé tout, sans exception les énigmes de ce jeu, j'ai gardé ma mission presque jusqu'au bout et j'ai joué à fond de A à Z. Mais surtout je ne suis jamais sortie de ma ligne de conduite et je suis restée moi-même, cool, souriante, marrante, honnête, au public qui m'a toujours soutenue, qui m'a portée jusqu'en finale. J'aimerais être la grande gagnante de cette saison et de The Cleaver. Tapez un et votez Noran.
Ça va être dur de faire un discours aussi complet que Noran, mais bon, je me lance. Moi c'est Sienna, j'ai gagné les VIPs à Starlight Shore, mais le concept étant nouveau pour moi, je suis rentrée comme si je n'avais jamais fait de la télé-réalité Sims. J'ai joué, j'ai défendu une dure mission pendant un moment, j'ai fait la rencontre des trois acolytes avec qui je suis en finale. On a eu des coups durs, c'est vrai, mais on est là, toujours aussi soudés. Mais il ne peut y avoir qu'un gagnant à la fin et c'est pour cela que je vous supplie de voter pour moi. S'il vous plaît, tapez 2, j'estime avoir tout donné. Ben moi c'est Willy, celui qui a tenu complice de The Clover tout le long, personne ne m'a jamais démasqué. J'estime avoir mené cette alliance en finale par mes choix, j'ai fait de nombreuses stratégies, qui sont restées bien secrètes, je n'ai jamais été invisible, comme pourraient le penser certains. De plus je suis le dernier garçon en jeu, et j'estime les représenter. Je n'ai pas grand chose à dire, je pense que ceux qui me suivent ont déjà vu mon jeu et je leur fais confiance, allez, il faut taper 3. Noran, Sema, Willy, The Clover vous remercie pour ces très beaux discours. The Clover vous laisse profiter du reste de la semaine avec les anciens. Je vous félicite pour vos places en finale, je ne me le cache pas mais c'est Sienna que je soutiens. Depuis mon départ, pour moi, tu es celle qui le mérite le plus avec Victoria et Mathieu. Ah bah écoute, merci Mélanie, ça me fait super plaisir ce que tu me dis là. Je vois qu'il y en a une qui est toujours aussi les choses de cul. Non mais déjà tu la fermes, j'ai le droit de dire ce que je pense. Ça tombe bien, moi aussi je vais dire ce que je pense. Pour moi, votre place vous ne la méritez pas. Vous n'avez rien foutu du jeu. Je vois pas qui t'es pour dire ça. C'est simple. Je suis une candidate ayant joué. Des gens de mon alliance méritaient plus, même Mélanie qui n'est pas quelqu'un que j'apprécie méritait beaucoup plus que vous. Alors écoute-moi bien grognasse, t'es personne pour juger nos places, tu dis qu'on ne mérite pas mais sache que toi à part foutre la merde et terminer dans le sas, je vois pas en quoi tu mérites plus que nous à part ramasser la merde. Bah moi j'ai fait des stratégies, qui ont pas tout marché certes mais j'ai joué par rapport à vous qui êtes resté de votre côté tout le long du jeu. Bah c'est pas de ma faute si t'es une pas douée. On a joué, la preuve en est là en finale et t'es personne pour le contester. D'ailleurs c'est bizarre, t'es tellement peu importante qu'après ton départ tout le monde t'avait déjà oublié. Ah d'accord je vois qu'on aime bien m'attaquer. Les tensions va falloir arrêter de me les reprocher, c'est pas ma faute si vous êtes jaloux de moi. Jaloux de toi? Tu veux qu'on soit jaloux de quoi? De ton cul inférieur à celui d'un pigeon? Non mais meuf, va falloir calmer la drogue. Nous on était en retrait c'est vrai mais c'était aussi notre stratégie pour arriver ici. D'ailleurs ça a très bien marché. Donc maintenant tu vas arrêter de nous gonfler si tu veux pas te retrouver en Antarctique à coups de bambou du Brésil. Ah là là que c'est beau la jalousie. Ça y est, elle est en finale et elle a déjà pris le melon. Je trouve ça pitoyable. Sur le coup moi je dis, prends-toi ça dans ta gueule Madison. Faut pas nous l'énerver notre nono. Elle est rarement énervée mais quand elle est énervée ça pète dur. Mec sache que je te soutiens à fond. Pour moi tu as super bien joué, j'espère que tu vas gagner. Puis tu représentes notre honneur. Merci Gab. Ça me fait plaisir puis venant de toi. Je l'ai emporté à... Ouais enfin tu as surtout de la chance, j'aurai ma vengeance à... On s'entend bien avec Gabriel. On s'était toujours bien entendu mais c'est vrai qu'on était un peu rivaux dans le jeu surtout vers la fin. Maintenant on en rigole. Sache que je te soutiens moi aussi. Avant que je pars à la deuxième semaine il y a eu quelques tensions dû au fait que j'abandonne notre alliance. T'inquiète ce n'était que du jeu, j'étais juste en colère, car oui tu m'as laissé tomber, mais j'avais aussi des torts. Puis si tu n'avais pas réagi comme ça, on n'aurait peut-être pas eu notre alliance avec Sienna et Noran. C'est vrai. Content en tout cas de te revoir, en espérant que la prochaine fois qu'on se revoit c'est après ta victoire. J'adore cette semaine, l'ambiance est vraiment différente.
On se retrouve tous en dehors du côté joueur qu'on avait et c'est comme si on se redécouvrait. Du coup, vous vous êtes réconciliés ? En fait, j'ai jamais été en colère après Mathieu. C'était juste un défi de notre cher être machiavélique, Zocliver. Ouais, après mon départ, j'ai vite été rassurée, car tu m'avais bien fait peur. Mais ma petite conserve de flageolets bien cuit, t'as cru que moi je pouvais m'énerver contre toi ? Mais c'est pas possible, mais pas possible du tout. Tu t'imagines, moi ? Oh, mais ce n'est pas possible. MDR, en tout cas content de vous revoir réconciliés. On en apprend beaucoup, entre la mission de Madison, le défi de Victoria et tout, c'est la semaine des révélations, on peut dire. Les anciens candidats sont donc revenus et ont encouragé les finalistes. Cette semaine a aussi servi de mise au point en quelque sorte. The Clever a décidé d'organiser une fête, je vous laisse regarder. Ici The Clever. The Clever a décidé d'organiser une fête pour le retour des anciens. Amusez-vous bien. Bonne chance à tous les trois et que le meilleur gagne. La finale approche. Je suis content, je ne pensais pas que j'arriverais jusqu'en finale. Je suis triste, cette aventure va me manquer. La fin est juste en face de nous. J'espère gagner.
Ce 9e et dernier épisode de The Cleaver saison 1 est terminé. Il vous reste encore quelques temps pour voter, c'est le 1 pour Noran, le 2 pour Sienna, ou le 3 pour Willy. Vous votez pour la personne devant gagner cette saison 1 de The Cleaver et pour voter, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Moi je vous laisse avec les 3 finalistes et je vous dis à la prochaine pour le prime final de The Cleaver saison 1. Ciao à tous! Public, j'ai résolu la plupart des énigmes, depuis le début je joue à fond et j'essaye de protéger mon alliance avec qui je suis en finale. Si ma personnalité vous a plu, il faut que vous votez un. Et si elle ne vous a pas plu, votez un quand même s'il vous plaît. Public, c'est pas car j'ai déjà gagné une télé-réalité Sims que je n'ai pas envie de gagner celle-là. J'estime avoir tout donné depuis le début, je n'ai jamais été fausse, j'ai toujours tout dit en face, il faut que vous votez deux. Alors mon public, je pense être le plus stratège de mon alliance et donc des finalistes, j'estime avoir emmené mon alliance en finale, en tant que complice de The Cleaver, je n'ai jamais été découvert, je pense mériter la victoire. Votez un, je vous en supplie.